Si vous tapez aujourd'hui mortis.com dans votre barre de recherche, vous tomberez sur une page affichant un message d'erreur. Une simple page qui vous précisera que ce site vous est tout simplement inaccessible. Toutefois, il y a quelques années, lorsque vous tapiez mortis.com, le résultat était bien différent. Au début des années 2000, Internet était rempli d'étranges sites, aux ergonomies et esthétiques singulières. Et derrière chacun de ces sites se cachait un être humain. Si certains de ces webmasters utilisaient leurs plateformes comme des vitrines pour se faire connaître, d'autres préféraient rester dans l'ombre. Intéressons-nous donc aujourd'hui à une curiosité de l'époque des débuts d'Internet, et qui a perduré pendant presque 10 ans. Laissez-moi donc vous présenter le site internet mortis.com. Si le nom de domaine mortis.com a été enregistré en 1997, il faudra attendre le début des années 2010 pour que le site soit découvert totalement par hasard. Le premier internaute à s'être posé des questions vis-à-vis de ce site a rapidement partagé ses trouvailles sur 4chan, et l'enquête était officiellement lancée. À l'époque où le site était actif, le fait de taper mortis.com amenait simplement à une page d'accueil, en noir et blanc, invitant le visiteur à entrer son nom d'utilisateur ainsi que son mot de passe. Naturellement, la plupart des internautes qui tombaient sur ce site n'ont pas réellement cherché à savoir ce que pouvait bien héberger cette plateforme, mais un utilisateur a décidé d'étudier le code source de la page. Et sa découverte fut pour le moins surprenante. En étudiant de plus près la structure de mortis.com, cet utilisateur a découvert que ce site abritait une quantité phénoménale de données. Parmi les nombreux fichiers stockés sur ce site, certains pesaient plus de 39 gigas, et le total des datas hébergées sur ce site avoisinait le tera, soit près de 1000 gigas. Si de nos jours il est assez usuel de voir des sites abritant une telle quantité de données, il en était tout autrement au début des années 2000. En effet, peu de gens avaient accès à des espaces de stockage si volumineux, et ce, pour deux principales raisons. À la fin des années 90, une plateforme de stockage avec une telle capacité coûtait affreusement cher, et donc peu de gens pouvaient en avoir l'utilité. L'idée donc qu'un particulier puisse héberger une si grande quantité de données en ligne à cette époque attirait de très nombreuses questions. En effet, à la fin des années 90, transférer un fichier de près de 40 gigas pouvait prendre des jours entiers. Indéniablement, quelque chose clochait avec ce site internet. D'ailleurs, intéressons-nous plus spécifiquement à l'URL, mortis.com. Mortis signifie mort en espéranto. Dès lors, la personne qui administrait ce site devait avoir un sens de l'humour particulier, ou alors il avait choisi ce nom pour effrayer les curieux. Mais généralement, appeler son site mortis.com n'est pas réellement un répulsif. Bien au contraire, un tel nom ne fait que nourrir les spéculations. Et puis, y a-t-il une plus belle invitation à percer un secret qu'en affichant une fenêtre de login sur un fond noir ? C'est un peu comme si ce site suppliait de se faire hacker par un utilisateur non autorisé. Comme nous l'avons vu pour l'énigme du Markovian Parallax Denigrate, il y avait déjà un grand nombre d'investigateurs numériques à cette époque. Petit à petit, une communauté de curieux a commencé à se constituer. Parallèlement à cela, le mot selon lequel il était particulièrement difficile de forcer la connexion à ce site se répandait comme une traînée de poudre sur les forums de l'époque. En effet, à la fin des années 90, les plateformes numériques étaient très vulnérables aux attaques par force brute. Une attaque par force brute consiste à tester, l'une après l'autre, chaque combinaison possible d'un mot de passe ou d'une clé pour un identifiant donné, afin de se connecter au service ciblé. Généralement, les individus utilisant cette technique ont recours à de nombreux bots automatisés, qui testent un à un tous les identifiants et mots de passe possibles avant de trouver les bons. Mais mortis.com a résisté à une bonne douzaine d'attaques menées par ses investigateurs numériques. Cette résilience a naturellement fait parler d'elle, redonnant ainsi un nouveau coup de projecteur sur le mystère potentiel que cachait ce site, jusqu'à arriver sur le board paranormal de 4chan, sur Reddit, et enfin sur de nombreux forums consacrés au hacking. À partir de ce moment-là, les enquêteurs ont été contraints de se montrer patients, car mortis.com était une plateforme qui ne souhaitait manifestement pas révéler ses secrets. Les investigations furent donc laborieuses, et face à cette absence de réponse, de nombreux posts ont fait leur apparition, rédigés par des individus prétendant s'être infiltrés dans les plateformes. Ces posts relataient alors des découvertes étranges. Selon certains, mortis.com contenait des musiques, des snuff movies, ou même des documents classés secret défense. Mais comme vous pouvez vous en douter, tous ces posts étaient des fakes. En revanche, parmi toutes ces fausses informations, un nom semblait revenir, d'une manière très récurrente, celui de Thomas Ling. Intéressons-nous donc à ce dénommé Thomas Ling.
Il y a un moyen assez simple qui permet d'en apprendre davantage sur le créateur d'une plateforme numérique et de savoir quels autres sites ce dernier aurait bien pu créer. Il est en effet possible, en quelques clics, de procéder à une recherche inversée grâce à DNS Lookup, avec le nom Thomas Ling, afin de découvrir combien de plateformes différentes ce dernier administrait. Et après l'analyse des résultats, il ressort que 25 noms de domaines ont été enregistrés par un dénommé Thomas Ling. Le problème de ces recherches inversées réside dans le fait que la liste de résultats mentionnera tous les Thomas Ling ayant enregistré des sites internet. Et le problème est que le patronyme Thomas Ling est très répandu aux États-Unis, et donc que beaucoup de personnes portent ce nom. Il va donc s'agir de découvrir quels autres sites le créateur de Mortis.com a bien pu enregistrer. La méthode la plus logique pour faire le tri dans cette liste est d'identifier les autres sites ayant été enregistrés auprès de la même société d'enregistrement de nom de domaine que Mortis.com, à savoir Pear Networks Incorporated. En recoupant toutes ces informations, il est possible de remarquer que le même Thomas Ling aurait réservé un total de 9 sites, à peu près à la même période. Regardons ça de plus près. La première plateforme en ligne créée était Mortis.com en 1997. Un an plus tard étaient enregistrés Dental Feelings et Exerceo.com. En 2004, Cthulhu.net et Karenling.com. En 2005, EternalNight.com. En 2006, Linsborough.com. En 2010, JoshuaLing.org. En 2011, ThomasLingDDS.com. Et enfin, JeffreyLing.org. En 2014. Si le site mortis.com est avare en informations, tentons d'analyser le deuxième site à avoir été enregistré, exerceo.com. Tout d'abord, précisons qu'exerceo.com a lui aussi été effacé des archives de la Wayback Machine, mais ce site semble toujours actif. En se connectant sur cette plateforme, on tombe sur une page d'index, comportant quelques dossiers ainsi que des fichiers de texte. En cliquant sur quilts.html, on est directement transféré sur un vieux site qui semble être une sorte de portfolio artistique, administré par quelqu'un qui semble fabriquer des petites pièces de broderie. Mais rien de particulièrement anormal là-dedans. Ce type de site portfolio était nombreux à l'époque, puisque c'était là l'unique opportunité qu'avait un artiste d'exposer ses travaux. Car en effet, en 1998, il n'y avait pas les réseaux sociaux. D'après moi, le site exerceo.com appartient à Karen Ling, et je vais vous expliquer pourquoi. Il est impossible de cliquer sur les éléments présents sur la page d'accueil de ce site, mais il semblerait que ces deux pièces aient été réalisées pour les fêtes d'anniversaire des 1 an de deux enfants, les dénommés Jeff et Josh. Est-ce que ces deux noms ne vous rappellent pas quelque chose? Revenons au résultat de la recherche inversée de tout à l'heure. Dans cette liste, il est possible de voir que trois noms de domaine avec les noms suivants ont été enregistrés. JeffreyLing.org, JoshuaLing.org et KarenLing.org. De plus, un élément de ce site web semble particulièrement intéressant, le logo figurant en haut de la page, DFI. Il n'est malheureusement pas possible de cliquer dessus, mais nous y reviendrons. Analysons maintenant un nouveau site de cette liste, dentalfeelings.com, qui pour le coup est toujours archivé sur la Wayback Machine. En lisant cette page d'accueil, il est possible de remarquer que cette société semble regrouper deux cabinets dentaires, un à San Francisco, puis un autre à San Diego. Ce site comporte une section FAQ, assez riche en informations, mais ce qui va réellement nous intéresser, c'est la présence de ce logo, le même que sur le site précédent. De plus, en effectuant de rapides recherches, il est possible de consulter des documents administratifs officiels de l'État de Californie, mentionnant, une fois de plus, le nom de Thomas Ling. L'étude de ces documents permet d'apprendre que le site Dental Feelings était en réalité une plateforme permettant à des dentistes de recruter de nouveaux assistants. Cette plateforme, créée en 1998, sera désactivée en 2012, vraisemblablement devenue obsolète à cause de l'émergence des gros sites américains consacrés au marché de l'emploi. Mais il reste encore un autre site de notre liste à analyser, thomaslingsdds.com. Ce nouveau site nous apprend assez clairement que le dénommé Thomas Ling est dentiste à San Francisco. Et à bien regarder les dates d'enregistrement de cette plateforme, il est possible de constater que ce nom de domaine est apparu quelques mois avant la fermeture de dentalfeelings.com. Bien. Terminons notre petit tour d'horizon par le site enregistré par le dénommé Thomas Ling, doté du nom le plus étrange, Cthulhu.net.
Peu de choses sont connues au sujet de ce site. Grâce à la Wayback Machine, il est possible de découvrir la page d'accueil de cette plateforme. Une illustration de Cthulhu, divinité abyssale, au centre de l'œuvre du romancier américain Lovecraft, accompagnée d'une petite phrase précisant « Cthulhu.net se réveillera bientôt. Envoyez-nous votre adresse mail et nous vous tiendrons informés. » Et c'est tout. Mais alors, que se cache-t-il réellement derrière cette nuée de sites? Et surtout, que contient le plus volumineux d'entre eux, Mortis.com? À l'exception de Mortis.com, l'ensemble des autres sites semblent être tout à fait crédibles, et on peut facilement imaginer que JeffreyLing.org, JoshuaLing.org et KarenLing.org étaient des noms de domaine simplement enregistrés et réservés pour Karen, Jeffrey et Joshua. Et pour Cthulhu.net, l'hypothèse la plus rationnelle serait celle d'une sorte de cyber-squatting de la part de Thomas Ling. Il faut en effet se souvenir qu'en 2004, lorsque Cthulhu.net a été enregistré, la guerre des noms de domaines était déjà amorcée, et beaucoup de malins avaient entrepris de réserver de nombreux noms de domaines différents pour pouvoir potentiellement les revendre ultérieurement afin de dégager des bénéfices. Donc, a priori, rien de bien mystérieux concernant cette liste de sites liés à ce Thomas Ling. Mais selon moi, Mortis.com n'a pas encore révélé tous ses secrets. Creusons le sujet une dernière fois. Comme je vous l'ai précisé en introduction, ce mystère numérique est particulièrement cryptique, notamment parce que l'immense majorité de ces sites ou des threads initiaux ont aujourd'hui disparu. Mais selon moi, il est possible d'expliquer ce que contenait Mortis.com. Prenons un des posts 4chan originaux consacrés à cet étrange site. Un des enquêteurs avait découvert, grâce au code source du site, que Mortis.com disposait d'un lecteur numérique intégré, qui permettait donc de regarder des vidéos ou d'écouter de la musique en ligne. De la même manière, un post 4chan de 2011 précisait la chose suivante. J'ai trouvé des téléchargements postés par ce gars. Il y a des fichiers de 25 Go avec des noms incompréhensibles, comme Drive Crazy 3DBD25x2. Ce post 4chan date donc du 23 septembre 2011, et cette date aura son importance. Lorsque l'on tape simplement Drive Crazy 3D sur Google, le premier résultat est relatif à un film nommé Drive Angry, mettant en scène le merveilleux Nicolas Cage, tourné en 3D, sorti au cinéma en février 2011 et en DVD le 31 mai 2011. Et si cet étrange site internet, qui a été l'objet de nombreux fantasmes, n'était qu'une sorte d'ancêtre privé de Netflix? Une simple plateforme pour regarder les films les plus récents de chez soi. Rappelez-vous que Mortis.com est apparu en 1997, à une époque où le téléchargement illégal et le streaming n'étaient qu'à leur balbutiement. En effet, les plus gros logiciels de partage de fichiers en peer-to-peer ne sont apparus que quelques années après. Napster en 1999, BitTorrent et Kazaa en 2001, ou encore Emule en 2002. Nous n'avons à ce jour aucune certitude sur ce que pouvait bien réellement héberger Mortis.com, ni même pourquoi le fameux Thomas Ling a décidé de donner un nom si creepy à sa plateforme. Peut-être avait-il présupposé qu'en 1997, peu de gens visitaient des sites de manière aléatoire. Ni même que des hordes d'enquêteurs numériques allaient s'intéresser à son site de streaming et de téléchargement de films. Depuis lors, Mortis.com est présenté dans les médias généralistes comme étant une des plus anciennes énigmes numériques de notre ère, et ce, probablement du seul fait de son nom quelque peu étrange. Mais une chose demeure certaine, le propriétaire de Mortis.com a consacré beaucoup d'énergie à faire disparaître les traces numériques qui restaient de sa plateforme. Pourquoi? Avait-il peur de la législation américaine sur le téléchargement illégal? Ou bien cachait-il de plus noirs secrets? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me partager vos théories en commentaire. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à me donner votre avis sur cet épisode en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.